Parnay, 400 habitants et depuis hier, 4 fois plus de teufeurs. La petite commune du Maine-et-Loire, à une petite dizaine de kilomètres de Saumur, accueille malgré elle une rave party géante. Les premiers participants sont arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi, certains de l'étranger. Nous retrouvons tout de suite en duplex et en direct Juliette Poirier et Thibaut Gruel. Bonjour Juliette, sur place la situation semble plutôt sous contrôle ce midi. Eh oui, bonjour, jusqu'ici tout va bien. Vous voyez peut-être derrière moi l'une des scènes et vous entendez peut-être le son. Sachez que la majorité des basses a été tournée vers Saumur, ce qui fait que même lorsque l'on traverse la commune de Parnay en contrebas, eh bien le son est quasiment imperceptible. En tout cas, vous l'avez dit, cette rave party n'a pas été déclarée ni organisée en concertation avec les services de l'État ni même avec la mairie de Parnay. Mais sécurité oblige, eh bien pompiers, gendarmes, protection civile sont mobilisés depuis hier. D'après la préfecture, eh bien, la première nuit a été plutôt bien gérée avec seulement une vingtaine de prises en charge médicales ou autres. Les teufeurs, eux, risquent des contrôles, voire des amendes. Mais d'après eux, eh bien, c'est de loin l'un des meilleurs et plus importants événements organisés ces derniers temps. Écoutez. C'est vraiment bien organisé. On va être 10 000, je pense, sur le week-end, voire peut-être un peu plus. Et en vrai, ça va être cool, quoi. On dit bien que c'est une fête libre et ça prend tous ses mots. Le respect, il est là. Le contrôle, il est là. Je vois pas des gens morts bourrés. Enfin, tout se passe bien et dans le respect et dans la joie et la bonne humeur. Chacun fait sa life, quoi. C'est génial. Tout le monde est content. Il n'y a pas besoin de sécu, pas besoin de rien. Tout se passe vraiment. C'est incroyable. Alors le préfet, lui, a été sur site. Le préfet était sur site hier toute la journée. Le maire de Parnay doit à nouveau se rendre sur la place tout à l'heure. Les participants, eux, ont prévu de profiter de l'endroit jusque dimanche soir. Merci beaucoup Juliette en duplex donc de Parnay avec Thibaut Grouet à vos côtés à la caméra.